c'est parti pour novembre, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les natifs du plus grand bien, du plus grand nombre, du signe du Capricorne pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, nous avons une femme. On a une femme et on a la campagne qui est renversée. Ici, ça vient me parler de l'énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, à l'intérieur de vous, vous avez cette énergie créatrice. Vous avez cette énergie d'empathie, d'écoute, de bienveillance, de douceur. L'énergie de la mère, l'énergie... l'énergie de la mère, l'énergie de la maîtresse, l'énergie de la femme, l'énergie de l'enfant, l'énergie du féminin sous toutes ces sur tout ce grand panel en fait. Mais on a la campagne qui est renversée. Donc j'ai l'impression qu'ici votre énergie intuitive est mise au service de l'action, c'est-à-dire que vous êtes certainement, pour ce mois de novembre, dans la créativité, dans l'action. Peut-être que vous avez des enfants, vous êtes très occupé. Pour vous, être au repos et faire le calme, pour retrouver des espaces, des temps pour vous, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est difficile. Ici, l'invitation, c'est aussi de vous écouter. D'écouter, de veiller à être respectueux, respectueuse avec votre intériorité, avec ce dont vous avez réellement besoin. Votre corps physique vous envoie des signaux, vous envoie des alertes quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas envie de communiquer avec certaines personnes, quand vous n'avez pas envie d'aller à un repas de famille, quand vous n'avez pas envie... Voilà, toutes ces choses-là. Ici, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes énormément présent aux autres, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est difficile de l'être pour vous-même. C'est pour ça que l'idée du féminin est peut-être un peu fatiguée. Je pense que vous êtes tellement dans l'empathie peut-être, ou le besoin d'être présent, présente aux autres, ce qui m'étonne pas du tout pour les Capricornes. À un moment donné, il faut aussi savoir être juste. Et c'est aussi savoir aussi se retirer, se replier pour garder des espaces pour vous-même, en fait. C'est très sain d'avoir des rituels pour vous, d'avoir des moments pour vous, de lecture, de repos, de méditation, d'activité ou de loisirs. Il y a vraiment l'idée de faire le calme pour accueillir, en fait, vos émotions, savoir ce que vous voulez intérieurement. Et ben en fait, c'est pas dans l'action que vous allez trouver ça. Enfin, oui, vous allez évidemment vous épanouir dans l'action en découvrant des potentiels, en étant dans l'action. Mais l'idée aussi d'accepter des moments où vous ne faites rien est vraiment nécessaire pour un équilibre de votre vie. Et ici, j'ai l'impression que c'est le message dans l'énergie de fond. Il y a une fatigue qui est présente pour certains et certaines d'entre vous. Donc que vous soyez un homme, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes tellement dans l'action que vous acceptez peut-être pas de vous reposer, de dire non quand vous avez envie de dire non. Il y a quelque chose de comme ça. Peut-être même que pour les hommes, c'est peut-être aussi un autre challenge, c'est-à-dire que souvent... le conditionnement, la société, etc. On est habitué, mais homme ou femme, hein, mais j'ai l'impression quand même, de façon générale, pour les hommes, que c'est un poids qui est vraiment monumental, hein, qui a été fait, qui a été instauré comme ça depuis des années, pour ne pas dire des siècles, que l'homme doit être fort, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit travailler dur, l'homme doit être comme ça et pas autrement, etc. etc. Ici, vous êtes invité, en fait, clairement, à accepter et à vivre votre féminité intérieure, c'est-à-dire cette voix qui protège, en fait, cette voix qui dit stop aussi. La mère, que fait la mère pour son enfant? Elle le protège, elle le soigne.
elle le prend dans ses bras. Quand l'enfant a de la fièvre, elle va le soigner. Quand l'enfant est malade, elle va aller le dorloter, le choyer, le mettre dans un environnement où il se sent bien, pour qu'il se régénère, pour qu'il récupère, pour qu'il reprenne, voilà, des forces, pour qu'il reprenne ses esprits. Ici. Hello les signes du Capricorne! Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que le mois d'octobre s'est bien déroulé pour chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue, bienvenue, je vais juste faire une petite introduction sur le mois de novembre. Donc je rappelle qu'il est toujours une approche générale selon mon interprétation du moment. Donc je ne détiens en rien la vérité absolue, hein, d'accord? On est bien d'accord? Je viens juste, voilà, vous partager ce qui, moi, ressort selon moi et voilà, et ce que je cible de prioritaire en fonction de mon ressenti et tout ça et tout ça. Voilà. Donc, voilà, j'invite tout simplement à ce que chacun et chacune soit vigilant et garde son propre discernement sur ce qui l'écoute. Voilà. Alors, les Capricornes, pour ce mois de novembre, vous avez toujours Saturne et Pluton dans votre signe. À savoir que la pleine lune, donc du 12 novembre, ici, Saturne et Pluton se situent pour vous dans la maison 12. Fort intéressant. Ici, ça me parle en fait de beaucoup de mémoire. J'ai l'impression. C'est un peu comme si. J'ai l'impression que. Déjà, mais je pense que ça fait déjà un moment parce que Saturne est là dans son signe, en fait, hein, dans le Capricorne, depuis un bon moment. Mais c'est un peu comme si là, il y avait besoin de d'épurer quelque chose. Quand je dis d'épurer, c'est-à-dire de régler comme je sais pas, des liens karmiques, des mémoires, tout ce qui peut être nuisible pour votre pleine ascension vibratoire, en fait. Il y a vraiment l'idée là de mourir à quelque chose pour naître à autre chose. Saturne vient vraiment vous indiquer ces périodes de crise nécessaires avec lesquelles elles nous permettent en fait de passer à autre chose, en fait, de nous ouvrir à une autre perspective de vie, à un autre rapport vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis du monde qui nous entoure. Le fait que Pluton et Neptune soit conjoint dans votre signe. Pour cette pleine lune, j'ai l'impression que pour la pleine lune donc du mois de novembre vient toujours mettre en lumière ce que et ben, ce qu'on n'aime pas forcément voir ou vivre ou ressentir. Donc je vous invite à être attentif début du mois de novembre pour voir ce qui peut ressortir pour vous et ce qui peut être mis en lumière en fait jusqu'à cette pleine lune, excusez-moi. Et en fait, c'est comme si. J'ai l'impression qu'il y avait aussi l'idée de faire un deuil concernant votre héritage, l'héritage de vos bagages, l'héritage de votre éducation, l'héritage des conventions, d'une forme de morale, d'un poids comme ça, hein, qui peut vraiment vous entraver, vous limiter à en fait vous délivrer vous-même d'une forme de rigidité que vous vous êtes peut-être infligée pendant longtemps. Et qui peut-être peut vous empêcher de vous sentir pleinement vous-même en fait. Il y a un peu quelque chose de comme ça. Alors après, à savoir que le Capricorne a besoin aussi de cette rigidité, de cette rigueur. C'est pas vraiment une rigidité, mais je dirais une discipline de vie pour pouvoir acter dans le temps et récolter les bienfaits de ses projets, de ce qu'il met à l'œuvre pour aller au bout d'un objectif, on est bien d'accord. Il y a aussi cette force et cette capacité pour le natif du Capricorne. Mais il y a aussi cette idée, peut-être que pour certains, il y en a qui ont de la difficulté à aller au bout de quelque chose. Ça peut peut-être nous parler de ça. Est-ce que pour certains, il y en a qui, malgré qu'ils soient dans le natif du Capricorne, peuvent se sentir trop envahis par la discipline? Peut-être qu'il y en a pour qui c'est peut-être un peu difficile de garder une habitude sur du long terme. Et l'idée que Saturne soit dans ce signe et avec l'héritage, j'ai l'impression que ça vient aussi nous inviter à accepter
notre part intuitive en fait, notre part imaginative, notre idée de pouvoir aussi voir autre chose que ce que nous voyons avec nos œillères, c'est-à-dire d'ouvrir en fait les perspectives, d'ouvrir, voilà, et de voir qu'en fait bah, la vie c'est pas que ça, c'est aussi oh, tout un ensemble de plein de choses dans lesquelles vous pouvez aussi vous sentir bien épanoui et vous découvrir en fait. À travers plusieurs sources d'activité. L'idée que Saturne soit donc dans l'idée du Capricorne vient aussi me parler de changer une habitude qui bah, finalement peut-être vous limite sur une seule et même chose et qui finalement peut-être vous met une forme de pression. Vous vous sentez peut-être pas suffisamment heureux ou épanoui dans ce que vous faites. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Je vous invite à être honnête avec vous-même dans ce que vous vivez actuellement, dans que ce soit le domaine professionnel, que ce soit une activité, que ce soit aussi dans les rapports relationnels. Est-ce que ben, pour vous, le domaine relationnel, c'est quelque chose qui est compliqué d'entretenir sur du long terme? Ou au contraire, est-ce que pour vous, c'est presque une façon d'être, comment je pourrais dire, rigide vis-à-vis du monde qui nous entoure? C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des personnes qui vont entretenir par exemple des liens sans pour autant bah, donner signe de vie dès que vous en avez envie ou vous en ressentez le besoin. Peut-être que l'idée du Capricorne, lui, il a besoin en fait de toujours. Voilà, il faut qu'il sache comment va ses proches, il faut qu'il sache comment va son foyer, il faut que. Voilà, il y a un truc un peu comme ça avec cette idée de contrôle. Et en même temps, ça a une forme de bienveillance, d'amour. Voilà, c'est aussi une preuve de quelque part de montrer que nous tenons aux gens qui nous entourent. Excusez-moi pour le bruit, le chat est en train de faire tomber des affaires. Arrête! Voilà, bon. Voilà. Il peut y avoir cette idée-là. Pour la nouvelle lune, donc de la fin du mois de novembre, qu'est-ce que nous avons dans votre signe? Et bien là, on a Vénus. Vénus qui arrive dans votre signe pour la nouvelle lune. Donc c'est plutôt bon signe. J'ai l'impression que là, on a. Arrête! Désolée, mais ça fait du bruit là, Titi. Je te le retire. Désolée pour le bruit. Vénus dans votre signe, j'ai l'impression qu'ici, vous allez pouvoir accueillir avec beaucoup plus de patience, d'harmonie, de bienveillance, d'amour pour vous-même. Ce que vous allez pouvoir. J'ai l'impression, il y a une passion. Il y a un truc un peu comme ça que vous autorisez là, à vivre pour la fin du mois, j'ai l'impression. Ça peut parler de rencontres amoureuses, ça peut parler du rapport à vous-même concernant ce lien d'amour que vous apportez à vous-même. Hein. Donc en lien avec peut-être les peurs de s'engager ou la peur d'être abandonné, etc. etc. J'ai l'impression qu'il y a une énergie de douceur qui arrive en fait en fin de mois pour vous. C'est comme si la pleine lune allait vous montrer certaines choses qui seront nécessaires pour vous pour voir à quel point finalement peut-être vous passez à côté de certains pans de votre vie par rigueur, par autodiscipline, qui vous privent peut-être d'une forme d'engouement, de légèreté, de déployer votre enfant intérieur en fait. Il y a quelque chose de comme ça qui peut voilà, être difficile pour certains d'entre vous d'accueillir ou d'accepter, un peu comme une honte ou une retenue, quelque chose un peu de cet ordre-là. Et j'ai l'impression que pour la nouvelle lune, il y a cette nouvelle énergie finalement, un nouveau cycle qui démarre pour vous à la fin du mois novembre avec Vénus. Vénus, Saturne, Pluton, donc qui vient vraiment vous aider en fait à rompre les mauvaises habitudes, entre guillemets, celles qui ne vous servent plus à avancer, en fait. Vous voyez? Il y a l'idée comme ça d'un deuil avec Saturne qui va vous aider à rompre des liens ou des habitudes qui voilà, jusqu'à maintenant, ont été nécessaires. Et puis, voilà, maintenant vous passez à autre chose, j'ai l'impression, pour la fin du mois de novembre. Parce que bah, l'amour vient apporter plus de douceur, plus de clarté, plus de compassion aussi vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des gens qui vous entourent. Donc que ce soit dans les relations aussi, il y a plus de douceur. Il y a quelque chose de comme ça.
peut-être l'envie de fonder un foyer, hein, avec l'idée du Capricorne, Vénus dans ce signe, c'est voilà, hein, ça vient aussi me raconter ça. Voilà, voilà, pour le clin d'œil, focus général pour le natif du Capricorne. On va commencer le tirage général avec l'oracle G, voir ce que ça nous dit. Juste un instant, il faut que je pose ce papier. Hop. Voilà, je continue. Alors, veuillez m'excuser pour le changement d'un coup là de, de focus. C'est que je me suis aperçue un peu tardivement que... Enfin, un peu tardivement, ça doit faire juste quelques minutes parce que j'ai écouté la vidéo la dernière. Là, j'avais plus de batterie, donc voilà, il a fallu que je fasse autrement. Donc j'étais en train juste de terminer par rapport à l'enfant, à la mère, au foyer, à l'idée de, voilà, de prendre soin de l'enfant, etc. Et donc de prendre soin de vous, c'était vraiment le message important pour vous, d'accord? Ensuite j'ai battu, enfin j'ai mélangé les cartes et puis j'ai installé les cartes. Et là je n'ai pas encore fait la lecture, donc on va pouvoir commencer. Alors, on a eu ici la chauve-souris. Dans ce de quoi vous venez et ce qui est, ce que vous laissez derrière vous en fait, en quelque sorte. On a la chauve-souris, on a une énergie qui vous vampirise, on a quelque chose que, voilà, qui a pu vous fatiguer. Peut-être que vous avez laissé de la place à l'invasion, j'allais dire, à des pollutions énergétiques en fait, peut-être même à des personnes, hein, de votre vie, enfin de votre vie, des personnes que vous côtoyez. Qui ont pu tenter de vous nuire en fait. Il a pu y avoir quelque chose de comme ça. Et c'est comme si vous avez, grâce à cette situation, pu faire preuve d'écoute et de respect encore plus profond vis-à-vis de vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a la femme, on a une dame blonde, mais elle représente une femme âgée. C'est ce vers quoi vous tendez à aller suite à ça. Enfin, c'est comme ça que moi je le lis. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez comme intégré une maturité par rapport à un détachement affectif qui a pu vous limiter, vous emprisonner dans une habitude, quelque chose qui ne vous faisait pas vraiment du bien. Il y a quelque chose de comme ça. Vous allez vers cette maturité. Vous êtes en train de vous déployer. Vous êtes en train de vous responsabiliser et aussi de vous autonomiser. C'est-à-dire que vous n'allez plus alimenter finalement la quête, le besoin d'amour des autres qui a pu vous faire vivre ou manifester des actions cherchant à tout prix à combler ce but, cet objectif de vous sentir aimé à tout prix qui vous a épuisé. D'accord ? C'est de ça que ça me parle, cette chauve-souris. Il y a cette forme de vampirisme, de parasitage. Pourquoi? Parce que vous-même, vous aviez laissé de la place à cette faille-là. D'accord? Le fait que vous ayez une maturité, un détachement, quelque chose qui vous soulage, vous reprenez en fait votre indépendance. Ici, vous allez être plus à même de... Comment je dirais? De voir clair en fait sur des situations relationnelles. C'est comme si il y a un changement d'un état à un autre qui est assez important pour vous. Comme si il y a une révélation qui vous éveillait, quoi. Il y a un déclic, un truc un peu comme ça, où vous réalisez à quel point il est important en fait de vous écouter vous. Vous voyez la rose ici, on a encore, pour moi c'est symbole vraiment du féminin. Ça me parle d'amour, ça me parle d'union. Cette union, elle est à l'intérieur de soi aussi, d'accord? C'est vraiment l'union du féminin, du masculin en soi. Donc d'accueillir, d'honorer son fort émotionnel, ce que l'on ressent corporellement, ce que l'on pense, ce que l'on... Voilà, votre créativité, tout ce qui vous porte en fait, tout ce qui, votre intuition, voilà. Tous les messages comme ça que vous savez être à l'écoute. C'est vraiment ça l'idée de vous accueillir votre sensualité, votre amour, votre douceur, que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord ?
Il est possible pour certains d'entre vous que il y en ait qui aient pu rencontrer une personne plus âgée que vous aussi. Donc que vous soyez homme ou femme, ça peut parler de ça. Il y a l'idée d'une relation amoureuse pour certains, pas pour tous. Mais j'ai l'impression que ça me dit deux choses. Soit qu'il y a l'idée d'une relation sentimentale qui n'est pas vraiment équilibrée ici. Donc il y a cette forme de parasitage qui est là, qui est présente, cette forme de vampirisme. Parce que vous n'êtes peut-être pas en lien avec une personne qui est vraiment dans le cœur, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'il y a une rupture à ce niveau-là. Et vous rencontrez une nouvelle personne, ça peut être ça, une personne plus âgée, blonde ou blond, hein, ça va être selon, ça peut être ça aussi. Mais on a l'idée ici d'une essence. Pour moi, ça me parle d'abord de l'individu, pour revenir à, voilà, j'ai abordé les notions relationnelles qui, parce que c'est arrivé de cette façon, mais ça me parle en fait de votre essence divine, de vous reconnecter et de vous lier en fait tout simplement à... Avec fluidité, simplicité en fait, de ce que représente pour vous l'amour. Et tout simplement comme un enfant qui veut donner, qui veut offrir son amour, il y a quelque chose de comme ça. Il y a l'idée vraiment de respirer votre beauté en fait, de respirer ce que vous avez envie de donner, d'offrir, d'apporter en toute confiance. Il y a un élan de douceur, de générosité, de partage. Voilà. Mais c'est comme si, ici, j'ai l'impression qu'il y avait, dans la relation quelqu'un qui peut-être n'accepte pas ce que vous avez ici à offrir. Peut-être que c'est une personne qui a peur de l'engagement, peut-être qui a peur de recevoir. Chacun, voilà, ça va parler en fonction de... Voilà, je ne peux pas approfondir plus que ça, parce que là, ça reste quand même du général, mais... Ça peut parler de ça aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous, quelque chose à offrir ici de très beau, mais que dans la relation sentimentale, l'idée de l'union avec une personne, c'est pas le moment. C'est un truc comme ça. Soit c'est pas le moment, ou c'est pas la bonne personne, tout simplement. C'est pas la personne qui est prête en ce moment à vivre quelque chose de comme ça. Ça me parle de ça. On a l'idée aussi de stabilité, c'est-à-dire qu'on a le hasard ici qui est renversé et on a la toile, la tisseuse qui va vers le soleil. Donc ici, c'est comme si vous allez dans un objectif, que ce soit de l'ordre de l'amour. Ici, ça me parle d'amour, donc je vais aborder l'amour en fait, hein. C'est ce qui ressort le plus pour vous. J'ai l'impression que vous allez prendre des décisions... juste et clair, de façon à acter, à trouver une stabilité. C'est-à-dire que vous n'allez plus laisser faire les choses au hasard, mais vous allez prendre des responsabilités vraiment. C'est-à-dire que vous n'allez plus laisser quelqu'un, que ce soit donc dans cette situation relationnelle, vous dire « Non, mais pas tout de suite, je ne suis pas encore prêt » ou « Voilà, j'ai besoin de temps » ou... Voilà, il y a quelque chose un peu comme ça où vous allez en fait comme vous détacher, vous défaire ou prendre du recul sur cette situation parce que vous allez vous concentrer sur vous, sur ce que vous êtes, ce que vous avez à vivre quelque chose de beau. Et en fait, vous allez prendre du recul sur une situation pour vous honorer. Vous allez respecter votre fleur ici, vous faites hommage à votre intériorité. Vous savez ce que vous avez envie de vivre. Et si quelqu'un n'est pas en mesure de l'accepter, vous allez tracer votre route, en fait. Il y a l'idée d'une indépendance. Vous allez comme gagner en maturité affective, j'ai l'impression. Vous lâchez prise sur une forme ici de dépendance. Et en fait, vous savez ce que vous voulez. Vraiment dans votre vie amoureuse et sentimentale. Et j'ai l'impression qu'avec l'araignée ici, vous allez vers ça. Vous allez vers cette harmonie. Et pour ça, ça nécessite... de poser les choses clairement, que ce soit dans la communication avec les autres, mais et surtout et avant tout pour vous-même aussi. Les choses ont besoin d'être claires et définies pour vous, pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment,
actuellement dans votre vie? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être en relation? Peut-être que c'est pas vraiment le cas. Peut-être que vous avez envie tout simplement d'être dans un épanouissement, une liberté, une autonomie, une indépendance. Voilà, il peut y avoir aussi cette configuration et c'est pour ça que c'est pas le moment de vous unir avec quelqu'un parce que vous savourez en fait les plaisirs de votre essence. Là où vous vous sentez libre, épanoui, il y a quelque chose de comme ça je crois pour vous, pour le mois de novembre. Mais on a l'idée vraiment de vous détacher de quelque chose en lien avec quelque chose qui a pu vous vampiriser. Quoi. Alors on va voir pour l'obstacle, on a la fidélité et on a cette idée de loyauté, vous voyez. On a cette l'alliance ici. Pour moi, cette alliance, elle me parle de fidélité. Elle me parle de il faut à tout prix que... C'est l'obstacle, hein, ces deux cartes. Et en fait, c'est un peu comme si vous aviez du mal à quitter une personne, en fait, clairement. Parce que pour vous, c'est renoncer à une forme de fidélité que vous vous êtes fait dans la relation, qui pour vous est une relation peut-être importante. Ici, j'ai l'impression qu'en fait, c'est l'obstacle, en fait. Il y a l'idée d'une fidélité à vous-même et fidélité à cette relation qui fait obstacle. Et on a dans l'aide, en tout cas le soutien à cet obstacle, on a, vous voyez, on a l'automne et on a l'exclamation. Donc ça vient vraiment nous parler de quoi? Il est temps de laisser partir les feuilles mortes. Il est temps de laisser, abandonner les choses qui sont pourries, clairement. Les choses qui ne vous nourrissent pas, en fait. Cessez d'alimenter peut-être une forme de conditionnement à vous dire « je dois être fidèle, je dois à tout prix faire ça, je dois à tout prix faire comme ci, comme ça ». J'ai l'impression qu'ici, là, vous allez... J'ai l'impression comme un besoin de vous retrouver vous-même. De vous détacher d'une situation sentimentale pour refaire le point. D'où est-ce que vous en êtes? Retrouver ce foyer chaleureux. Et parfois ce foyer chaleureux, c'est à nous en fait hein, de le créer, de l'apporter dans notre vie, de l'apporter dans nos relations. Mais parfois... dans la relation, on n'est pas souvent sur... Enfin, pas toujours, des fois oui, heureusement. Mais parfois, on n'est pas dans la configuration du même partage, de la même idée de ce que représente un foyer chaleureux, de ce que représente un engagement. Ici, moi, j'ai l'impression, clairement, ce que ça me dit, que vous êtes en train, pour le mois de novembre, de lâcher quelque chose en lien avec la dépendance affective. Et vous retrouvez comme une forme de maturité. Vous acceptez authentiquement comme vous êtes, en fait. Il y a quelque chose de comme ça. Et c'est aussi en acceptant votre sensibilité, votre douceur, tout cet amour aussi que vous pouvez aussi recevoir dans votre vie. Parce que ça peut être ça aussi, cette forme de vampirisme. Est-ce que vous-même, vous vous acceptez de recevoir de l'amour? Parce que ça peut être aussi ça, hein, ce frein, ce blocage à accepter que quelqu'un puisse vous apporter de l'amour. Il peut y avoir ça. Hein. En plus, le Capricorne un peu contrôlant, un peu... Je ne veux pas caricaturer qu'à ça, bien évidemment, hein, vous m'avez compris. C'est vraiment pour dire... Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été tellement déçues dans leur relation passée qu'à présent, elles préfèrent rester célibataires et ne plus laisser... quelque part le pouvoir, l'opportunité à qui que ce soit de venir nuire à cette beauté intérieure en fait, à cet épanouissement que vous êtes reconstruit. Il y a quelque chose de comme ça. Et on a l'idée de la fidélité ici, à vous unir avec loyauté en fait. Il y a quelque chose de comme ça. Mais vous laissez partir quelque chose pour cette union. Que ce soit pour des personnes qui sont déjà en couple, moi ça me raconte qu'il y a un détachement affectif qui est important et qui va se faire.
Pour ceux qui seraient dans une configuration célibataire, on a l'invitation ici à refaire confiance à l'amour, à la capacité que vous avez de pouvoir accueillir l'amour dans votre vie, et aussi ce que vous pouvez aussi, ça fait beaucoup de aussi, ce que vous avez la capacité à amener dans une relation amoureuse aussi. Et vous allez vers quelque chose de confiant. Vous allez vers quelque chose de solaire. Vous allez vous retrouver l'harmonie, j'ai l'impression. Une stabilité, un foyer chaleureux et sécurisant. Vous voyez, on a la fondation, on a le 4. Ça vient aussi nous parler, vous voyez, avec l'idée du hasard qui est renversé, me parle d'une base solide. C'est comme si vous saviez maintenant, vraiment, encore plus ce que vous voulez dans votre relation. Ça me parle, c'est axé sentimental hein, pour ce tirage du mois de novembre. Hein. Voilà. Allez, on va voir un message complémentaire avec l'oracle des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne. Por favor. Hop. Alors, on a les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Waouh ! C'est vraiment un super beau message. Ici, vous voyez, continuez à nourrir cette fleur intérieure. Ça représente vos rêves, ça représente ici votre intériorité, cette beauté en fait en vous, que vous pouvez aussi voir fleurir dans votre vie, d'accord? Donc là, c'est vraiment l'invitation, croyant vos rêves. Ouais, il y a vraiment ça comme message. On va voir avec le Viking un message complémentaire pour vous, pour ce mois de novembre, por favor. Alors, on en a deux, on a la 16 et on a la 60. Alors, je vais vous lire les messages. Quand je vois la 16 comme ça, moi elle me parle, l'image comme ça, elle me fait penser à la feuille de cet arbre là, cet arbre de paix, comment ça s'appelle, le ginkgo biloba, c'est un arbre symbolique qui représente l'arbre de la paix, et cette feuille, moi en fait ce dessin me fait penser à ça. Me fait penser à ça, retrouver cette paix. Cette paix et laisser couler les choses avec fluidité dans votre vie. On a des fleurs, on a des lotus, on a des petits canards qui sont en train de s'amuser dans cette fontaine là de jouvence, j'ai l'impression. Voilà de quoi ça me parle. Alors on va voir le message du livre, la ferveur. Tonnerre qui émerge de la terre. La musique inspire l'enthousiasme. Magnifique. Les leaders efficaces savent comment transformer le sentiment populaire en action. La musique est en mesure d'ouvrir un passage mystique aux émotions qui conduisent les gens à se réunir, le cœur en harmonie. Waouh ! J'adore ! Ça nous parle de la musicalité du cœur. Oh, je trouve ça génial. Les rêves, la rose, au centre du tirage. Oh, moi j'adore, je trouve que c'est un beau tirage, vraiment. L'idée de la musique, pareil avec l'invitation au féminin, écouter peut-être de la musique peut vous permettre de vous reconnecter à vos émotions, d'accord? C'est aussi le message, j'ai l'impression, vous relier à votre cœur et vous relier aussi aux autres à travers la musique. C'est vraiment comme un langage du cœur qui passe à travers les mots en fait, la musique. C'est vraiment un beau message. Vous voyez, cette idée de paix et d'abondance de l'eau et des canards qui nagent dans l'eau me parle vraiment de cette ferveur et comme une forme de passion d'accepter et de vivre pleinement en fait toute cette intensité humaine en fait à travers nos émotions partagées avec les autres de cœur à cœur. Ça me parle de ça. Et pour la deuxième, on a la 60. Ici, vous voyez, on a comme des jolies petites habitations typiques.
Elles font rêver ces maisons. J'aimerais bien y aller en Thaïlande. Ou Ça nous parle de la limitation sur cette carte. Pluie au-dessus du lac. Respectez les limites. La pluie peut continuer à tomber longtemps après que le lac a débordé. Respectez les limites des autres. Ici, dans l'idée du partage et de la communion avec les autres, que ce soit donc relationnel, sentimental, etc., vous m'avez compris, vous êtes invité clairement à accepter, en fait, la limite de l'autre, c'est-à-dire là où la personne en est en ce moment. Et vous, simplement, de partager ce qui, pour vous, est juste et sain, et tout en étant aussi vigilant à laisser de l'espace et de la place à l'autre dans ses besoins. D'accord ? C'est aussi important hein, dans les relations. Si vous voulez avoir une relation fluide et harmonieuse, si vous voulez vous sentir écouté, vous voulez vous sentir respecté, soyez vous aussi acteur, hein, l'idée de l'action, du feu ici, soyez vous aussi cette source inspirante, bienveillante pour les autres. D'accord ? Et je pense que les relations se porteront beaucoup mieux. D'accord ? Il y a aussi cette invitation. Voilà, voilà, les très chers amis Capricorne. Et ben j'espère que voilà, que cette lecture vous aura éclairé, vous aura apporté des messages aidants, bénéfiques pour vous, pour ce cheminement du mois de novembre. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour tout. Pour vos commentaires, pour vos partages, vos likes, vos abonnements, voilà, pour vous en fait aussi, tout simplement, pour tout ce que, pas seulement parce que vous êtes là à participer, à écrire ou à liker, bien que ça fait aussi partie de mes remerciements, mais merci tout simplement d'être aussi vous-même, voilà, dans votre pan de vie, où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Merci d'être là, vous aussi, tout simplement. Voilà, voilà. Et ben, un très beau mois de novembre à vous. Et je vous dis à bientôt. Des gros bisous. Bye bye.